David Guetta a été interrogé par Combini sur la santé mentale des DJ. Et la star mondiale n'a pas pu s'empêcher de parler de son ami Avicii, qui s'est suicidé en 2018. Mais il y a aussi la pression constante à laquelle ces artistes sont confrontés. Le 20 avril 2018, nous avons appris avec tristesse et confusion qu'Avicii, âgé de seulement 28 ans, s'était suicidé. Au sommet de sa gloire, le DJ suédois a dû combattre ses démons, celui d'alcoolique. Les artistes qui l'ont connu le décrivent comme un homme, fragile, et, sensible, visiblement mal armé pour faire face à ce métier. Son ami David Guetta a raconté la disparition tragique des Avicii dans une interview pour Combini ce lundi 27 novembre. Il a également parlé de la pression que subissent en silence tous les membres de la profession. « Nous devons tous endurer cette pression », dit celui qui s'apprête à devenir père pour la troisième fois. Le DJ français a déclaré à propos des Avicii, « C'est difficile de voir une personne aussi gentille et talentueuse se détruire comme ça, c'est vraiment difficile. En tant qu'ami, c'est difficile à voir. » Comme lui, Martin Solveig a décrit le Suédois comme une personne fragile. J'ai découvert un gars formidable, très sensible. Tim, de son vrai nom Tim Bergling, NDLR, est plus fragile émotionnellement que les autres et dans notre métier il faut être fort mentalement, ancré, avoir de vrais piliers autour de moi, comme ma femme, ma famille, moi. Amis, une dizaine de personnes qui ne m'ont jamais abandonné, a-t-il déclaré aux Parisiens. Selon eux, cette pression semble difficile à contrôler. On vend du rêve, on vend toujours ce côté-là du « on a une vie extraordinaire, c'est vrai, on est sur scène, on a de l'amour », mais la réalité c'est quoi ne trouve pas ça très difficile, on en parle souvent. On ne peut pas se plaindre gentiment parce que nos vies sont tellement extraordinaires, elles font rêver tellement de gens, Kwon ne peut pas parler de son côté obscur, avoue David Guetta à Combini. Chaque jour, chaque heure. Et quand certains se risquent aujourd'hui à l'évoquer comme l'ex-mari de Cathy Guetta, certains détracteurs ne les épargnent pas, les accusant de porter plainte. Et en fait, nous sommes tous sous cette pression, conclut l'artiste à qui l'on doit notamment Imgood. De son vrai nom, Pauline Renaché, est née le 4 juillet 1912 à Roubaix, dans le département du Nord, en France. Elle a grandi dans une famille d'origine autrichienne et allemande, son père étant un industriel textile. Dès son plus jeune âge, Viviane Romance a développé un intérêt pour le monde du spectacle et de la danse. Elle suit des cours de danse classique et participe à des spectacles locaux. Son talent et sa passion pour le monde artistique la poussent à envisager une carrière dans le cinéma. À l'âge de 17 ans, elle quitte sa ville natale pour Paris dans l'espoir de réaliser son rêve de devenir actrice. Elle adopte le pseudonyme de Viviane Romance, qui sonne plus glamour et captivant, et commence à chercher des opportunités dans l'industrie cinématographique. En 1929, Viviane Romance obtient son premier rôle au cinéma dans le film Le Parfum de la Dame en Noir. Cependant, ce n'est qu'au début des années 30 qu'elle commence à se faire remarquer dans le milieu cinématographique français. Sa beauté saisissante et son talent d'actrice attirent l'attention des réalisateurs et des producteurs. Au fil des années, Viviane Romance gagne en popularité grâce à son charisme à l'écran et sa capacité à incarner une